Bonjour à tous, c'est Matt du 29, on se retrouve sur Electrician Simulator. Alors, on va se prendre une mission. Tiens, on va prendre celui-là. Les tranches de pain ne sortent pas. Alors, un petit grille-pain. C'est ça. Celui-là, c'est bon. C'est bon. Allez, on dévisse tout. Ça faut l'enlever, ça aussi. Oui, mais je crois que pour enlever ça, il faut dessouder. Donc, je n'ai plus d'éteint. Non, c'est le produit. Ça c'est bon. Là aussi. Ça là aussi rouillé. Je pense que d'abord il y a l'arrière tiré. Ici encore une vis de 3 vis à démonter. Pareil en bas, je suppose. Hop. Hop. Et là, on a encore ça à faire et à démonter la carte. Hop. Alors, face avant du boîtier, et ben c'est efficace. Élément chauffant, efficace. Celui-là est abîmé, remplacé. Analyser, efficace. Analyser, non. Analyser d'abord quand même. Ah oh, oui, il a bien de manière. Analyser efficace la carte. Alors pour l'analyser, celle-ci, c'est multimètre. Celui-là est mort. Ça c'est mort. Donc on a tout vérifié. Donc, je suppose que celui-là. Il est à dessouder en dessous. Je crois que c'est tout. Et après, on a celui-ci à dessouder. Hop, allez, on remplace. On ressoude. Et il y a celui-ci à remettre. Et la carte est efficace. Formidable. Alors celui-là. Non, avant de faire des conneries. Donc maintenant, on passe en mode montage. Donc ici, on remet les éléments chauffants. On peut remettre ça. D'en avoir une.
Plus fait 10. Hop, pareil là. Après, on remet les 4 vis d'en bas. Ici, on a 3 vis là, 3 vis de l'autre côté. Et on a dit aussi qu'il fallait qu'on voit pour faire le garage. Alors, les vis. Après, il faut remettre les soudures là où elles sont. Et il t'a manqué. Ah bon? Qu'est-ce qui manque là? Là, il manque une vis. Tac, on remet les boutons. Plus les 4 vis d'en dessous. Tac, on va tester l'appareil. Touk, impeccable, envoyer l'objet, c'est fini. Bon. Alors, est-ce qu'on se prend... Je vais peut-être commencer à prendre des trucs pour ici. Donc on va se mettre en alimentation. Ça, on va en prendre 10. Comme ça, on en aura plein. Ça, on va en prendre pas 10 pareil, hein, on va dire. Hop. Panier. Si t'ajoutes pas au panier, c'est sûr que ça marchera pas. Juste les boîtiers. Même pas, on va faire tout. On va faire avec les trucs intelligents. Hein. Intelligent. On va prendre 10 doubles. Tactile. Ah. On va prendre 10 de chaque mère. Pour l'instant, ça fait pas trop. Merci, c'est juste pour en bas. Donc on va prendre des ampoules LED intelligentes, on va prendre 10 comme ça. On va prendre les intelligentes en E27. On va prendre 10. Et il n'y en a pas ajouté, je suis sûr. Si. Et cela en paraît, on va prendre 10. Ça me fait 1300. Et on est à 1800. Bon, ça devrait le faire. Après, il nous faut par contre les lumières. On va se prendre. Plafonnier double. Celui-là, on va prendre. Putain, ça fait faire cher. Je vais en mettre 10. Attendez. 1, 2, 3, 4. On va mettre 4. Sinon, ça va faire trop. Déjà, on va prévoir pour le garage. 4 pour le garage. Le simple, on a déjà un simple. Et puis, je pense que ça sera bon. Oui, mais du coup, ça fait combien là? 1400. Hop là!
Ah, il nous faut par contre du câble si je veux câbler. Parce que du câble, j'en ai 30. Ouais, bah, ça suffira pour l'instant. Donc ici, bon, il y a déjà un truc, il y a juste besoin. Alors, on va aller dans l'inventaire. Ça, je vais le mettre là. Ça, on va le mettre là. Donc, on va changer. Intelligent blanc. J'ai eu 13. Non, en fait, j'en avais déjà 10. Là, il nous en faut un pour là. Et après, on mettra en place les autres. Donc on va changer ça par ça. Donc normalement, maintenant, si on fait le Wi-Fi, celui-là est connecté en Wi-Fi. Alors, soit on met un détecteur, donc comme ça, quand la porte est ouverte, moi je mettrai un détecteur de mouvement, plutôt. On va s'acheter ça. Intelligent, tac, 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 détecteur de mouvement, on va en prendre un. Ouais, on va prendre ça. Et on va le mettre au-dessus de la porte. Et comme ça, on va faire une liaison entre. Il est pas mal placé. Pourquoi il marche pas? Ah! Voilà. Et normalement, elle doit s'éteindre tout seul. Hop, et dès qu'on rentrera dans la pièce, ça s'allumera. Ici, on va se mettre. On va se préparer. Les blocs qu'on va mettre en place, donc on va en mettre un ici, on va mettre deux là, un là et un là. Du coup, on va se mettre dans le tableau un disjoncteur. On va éteindre et on va venir brancher du câble dessus. Donc on va se mettre en 3, on va se mettre en pose de câble. L'arrivée est là. Et après, on va faire du tirage de câble entre les lampes. Hop, l'entrée. On ressort ici. À peu près droit. Hein. Alors bien sûr, il y a la voiture au-dessus. Ça c'est câblé. Il manquera juste un.
que je vais pas réussir à voir, bien sûr. Tac et tac. Formidable, ça c'est fait. Donc maintenant, normalement il n'y a pas besoin de câbler. On va juste mettre. Alors je crois que ça se met à peu près comme on veut. Ça veut dire qu'on peut le mettre par exemple ici. Et on va se dire que ça. Ah mais non, on n'a pas mis les lampes. Inventaire. Donc on repose ça. Ça j'en ai plus besoin. On va se prendre. Ah mais c'est lampe. Ah mais non. Ça je sais ce que c'est. Ça c'est l'autre. C'est pareil, c'est ça qu'il me faut. Donc on va équiper, voilà, et de 1 le deuxième pareil. Et le troisième, le quatrième pareil. Attends, je n'ai pas fait celui d'où voilà. Voilà. Là on est bon. Il restera le dernier ici. Hop. Ensuite. Donc celui-ci. Va alimenter bah. Là alors normalement je peux les allumer et donc ah merde j'ai fait le con. J'ai fait le camp. C'est là alors que je voulais aller. Ok, très bien. Bah à la limite, non, moi je suis pas. Attends. On va mettre pareil. On va mettre sur celui-là aussi. Voilà. Et ceux-là vont être alimentés. Voilà, impeccable. Donc quand j'ai envie d'allumer, j'allume. Eh ben écoute, ça c'est bon. Bon alors on va se prendre une petite mission quand même parce que sinon on va pas avoir d'argent. Je veux être intelligent. Rendre ma maison un peu plus intelligente. Installer des ampoules intelligentes, associer les ampoules à des interrupteurs intelligents, connecter la télé à une prise intelligente et appareiller un interrupteur intelligent. Objet suggéré. Donc ça j'en ai une. Là j'en ai 10. Il en faut 11 donc du coup il en met une. Ça j'en ai 29. Et les autres j'en ai 10. Et j'ai tout ce qu'il faut. Hop, on ajoute au panier ce qu'on a besoin. Et on accepte la mission. Allez, on va se faire ça. C'est parti. Hop. Bah, bien sûr que le courant peut être mortel. Hop. Alors, il faut changer des interrupteurs intelligents. Déjà, il faut le mettre les interrupteurs intelligents. Il faut installer des interrupteurs intelligents.
Là, il faut une prise intelligente. C'est quoi, c'est les simples ou c'est les doubles? Simple. Ok. Et c'est où qu'il faut le mettre ils disent pas. Ils disent pas. Là, ici. Je pense que c'est là qu'il faut le mettre. Ça, c'est bon. Ensuite, il faut la prise intelligente pour la télé. Associer les ampoules, connecter la télé à une prise intelligente et l'appareil avec l'interrupteur intelligent. Hop, ça c'est bon. Installer les ampoules intelligentes, il y en a 13 à mettre. Et associer les ampoules intelligentes à un interrupteur intelligent. Bon, alors déjà, on va changer toutes les ampoules. Comme je sais pas lesquelles c'est. Je pense que c'est ça qu'il nous faut. Une. Ok. Je suppose qu'il y en a là-dedans aussi. Ouais, c'est ça, bien sûr. Ok. On va tous les faire. Merde, il faut y passer partout. Hop. Ok. Là-dedans aussi, je suppose. Ça là c'est les... comme ça je pense. Est-ce que ça là sont comprises dedans? Oui. Ok. Et il doit rester la chambre. Franchement. Ah, ça. Ok, très bien. Et maintenant, il faut relier les 13 ampoules à l'interrupteur. Donc, ça veut dire que je récupère ça à l'interrupteur. Ici, dans la pièce à côté, on a celle-là, celle-là, celle-ci, ces trois-là, voilà, les quatre. Plus les deux à pic et les lampes de la cuisine. Retourner au bureau. Paf. Ça c'était rapide. Ça a été d'une rapidité. Bon, on va faire une petite mission tranquille. Hein. On va essayer de se terminer, de se faire une petite mission. Hein. Il est impossible de faire défiler, les lampes ne s'allument plus.
Et bon, on va faire un petit. Un truc qui est pas mal, c'est ça. Alors, c'est quoi? C'est une souris? Ah oui, mais bon. Bon. Par contre, la lumière comment ça me... Ah, là, il faut dessouder. Ça, il faut dévisser ici. Ça, c'était dévisser, mais ça, c'est à pulvériser. Lui, il est à dessouder. Peut-être enlever la pile aussi, non, de temps en temps. Alors ici, apparemment, il y a un problème de vis rouillée. Je pense que je vais mettre un interrupteur classique hein, parce que là ça commence à me... D'ailleurs on va le faire tout de suite. Inventaire. On va mettre à l'inventaire et puis on va récupérer plutôt un interrupteur connecté là. Voilà. Impeccable. Hop. Alors ici, avant de remonter, on analyse. Alors du coup celui-là pour le dessouder c'est ça. Ah et puis il faut une pince. Ah le connecteur peut-être. Non il est bon. Hop. Ça c'est bon. Alors après les piles. Elle est morte, mais pas de solution. Ça, on rachète. La lentille, elle est bonne. Ça, test de composants. Je trouve ça bien de faire de l'électronique un peu comme ça. Donc là, il y aurait juste celui-ci à remplacer. Le tripotard. Efficace. Bon, bah voilà. Ça, ici, c'est efficace. Le panneau LCD, on va le tester. Il est mort. Donc il faut que je dessoude celui-ci. Et il faut ça pour l'enlever et le remettre. Ça c'est fait. Il y aura juste celui-ci. Et pour l'analyser. Il est parfait. Et ben vu que c'est parfait, on remonte. Alors les vis, elles étaient là.
il nous faut juste celui-là pour refiler. Ensuite. Et les 4 vis. Et il reste le cache. Impeccable. Allez, hop, terminé. Alors quand on part de la pièce, bien sûr. Hein. Donc pour aujourd'hui on a terminé, on a fait beaucoup de choses, donc on arrête là pour aujourd'hui, on se retrouve du coup la semaine prochaine sinon pour ce jeu, sinon on se retrouve demain sur Bus Simulator 21 avec du tram. Allez, à demain, ciao ciao.